fais la campagne parce que je suis en connexion directe avec ma matière première, avec les arbres. Et c'est eux qui m'inspirent et donc je reste où je suis très bien, en harmonie avec tout ce que je suis. On se lève le matin, on est content d'aller bosser de toute façon parce qu'on sait qu'on va découvrir des choses. On ne sait pas encore quoi, mais on va découvrir quelque chose. Et avec un fond musical, un bon morceau de jazz, c'est bien ça. Ce qui est intéressant dans le bois, justement torturé, c'est qu'on découvre des trésors. On découvre toujours des dessins différents, c'est jamais pareil. Et là, c'est merveilleux, quoi. On n'a pas l'impression de faire toujours la même chose. On prend un bout de bois, on le regarde, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il faut choisir. Tous les bois sont différents, il y a des bois qui sont pas agréables à tourner, mais qui sont très jolis, il y a des bois qui sont agréables à tourner, qui sont pas super jolis. Dans le bois, c'est tellement vaste, qu'on ne peut pas en faire le tour de toute façon. Donc c'est souvent de l'improvisation, on est sur le tour, et là c'est l'habitude de créer, mais sur le coup. Avoir un geste précis et régulier, d'avoir un bon affûtage, un bon son de copeau tranché, ça aussi c'est très long. Avec l'odeur du bois, le bruit de l'outil qui coupe, qui tranche le bois, rien que ça c'est une musique, un son qu'on aime passionnément. On met des années à trouver le geste, hein, parce que des années de travail pour avoir le bon geste, pas se faire mal. Quand tu tournes très très fin, tu peux casser une pièce. Sur des bois très très beaux, là c'est plus épais, donc c'est rare de casser quand même. Je ne pourrais pas faire ce que je fais en ville. Et donc c'est tout un ensemble de choses. Voilà. C'est une manière de vivre, un état d'esprit. Il ne faut pas donner à tout le monde. Et par contre, on est riche de plein de choses, mais pauvre d'argent.